Salut à tous mes petites babioles, gros licet aux commandes aujourd'hui de ce qui va être une vidéo les gars. Franchement ça fait un bail de dingue que j'y ai pas joué les gars. Call of Duty Black Ops 4, qu'en est-il avec le temps, les mises à jour, les points forts, les points négatifs, etc. Je me suis dit Yacine, viens on va tester tout ça et let's go, c'est la petite vidéo d'aujourd'hui. Oh les gars le délire les gars, franchement ça fait tellement longtemps que j'y ai pas joué. Regardez ce qu'il est même dans ma liste de jeux les gars, il est là. Call of Duty Black Ops 4. Mais avant toute chose, je vais quand même aller voir les messages. Parce qu'il y a parfois des gens qui m'envoient des messages. Franchement, ils sont bien délire, tu vois. Ça, j'ai pas compris. Le mec qui fait sa pub pour sa chaîne YouTube. Ah bon, d'accord. La truite de compète. On va voir ce que ça donne. Wesh, Chrony, comment vas-tu? Je sais, pourquoi pas une partie de Black Ops 4 ou Far Cry 5 ou New Dawn. Enfin, comme tu veux. Ah, tu sais, il me propose de jouer. Je vais quand même lui répondre. Je vais lui dire que je joue peu. Vous savez pourquoi? Parce que c'est vraiment le cas les gars. Je vous jure, je prends plus le temps de jouer comme avant. Je vais lui dire que je joue quasi plus. Parce que voilà qu'on est occupé un peu IRL et vous me connaissez. Hein, j'ai pas trop envie de vous dire ce que je fais actuellement. Je vous le dirai avec le temps, tu vois. Mais c'est toujours un plaisir de revenir et de jouer. Donc tant mieux, c'est parti. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer Black Ops 4. Ça fait un bail que j'ai pas joué, je vais voir les nouveautés. Let's go. Ouh! Opération Spectre Rising, bah ça je suis déjà au courant. Ah voilà les potes, enfin la mise à jour elle a été faite, la 1.19. Les gars, 16,5 Go la mise à jour. Vous savez combien de temps ça m'a pris les gars? 1h30, j'ai jamais vu ça, c'est un délire. Allez go, on va voir ce que ça donne enfin ce petit Black Ops 4. D'accord, donc il y a une nouvelle opération Days of Summer et c'est toujours l'opération Spectre Rising. Ok, ils ont dû rajouter du nouveau contenu entre temps, on va les checker. Hein. Alors, offre bonus. Vous avez profité d'une offre, les objets suivants étaient ajoutés à votre inventaire. Peinture, pack de saut. Ouais, ah oui, je sais pourquoi. C'est parce que j'ai le pack Twitch Prime, les gars. Je me souviens que j'avais mis le pack Twitch Prime. Du coup, on a quoi? Donc, une submersible. On a Portail d'Alcatraz. C'est la petite map en Blackout, là, c'est ça. Donc, t'as la ligue que j'ai même pas testée. Donc, là, après, t'as le multi. Donc, le marché noir aussi. Ils ont rajouté quoi, en fait, dans le marché noir, les gars? Porte-bonheur d'armes qui peut être équipé sur tout. Ils ont rajouté un système de porte-clés à la Rainbow Six. Mais tout le monde s'en fout de ça en fait sur code, tu vois. Autant sur R6, je trouve que ça rend bien, mais... Alors, on a quoi ici dans les réserves? Je sais pas du tout c'est quoi. Contient un objet issu des réserves de Blackjack, joué en mode multijoueur ou Blackout pour obtenir des valises tactiques. D'accord, et en fait tu sais soit te les payer. Regarde, moi j'ai des CP, je pourrais les utiliser. Contient 3 valises, donc c'est les caisses bleues en fait. Ils ont remis le système des caisses, quoi. Et les valises tactiques, ben c'est le système, ben voilà quoi, des caisses blanches. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc t'as un pot de vin aussi. Ils m'ont pas donné un pot de vin gratuit, non? Inventaire. Une historique de tous les objets que vous avez acquis. Ça c'est bien qu'ils aient enfin mis ça. Tu vois, ils auraient dû mettre ça dès le départ d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Waouh, la dernière fois que j'ai joué, c'était en avril, les frères. Ah, le 3 avril. C'est un délire, les gars. Je te jure que c'est un délire, mon frère. Ciao papa. Donc on a quoi encore? Ah oui, dans la boutique, je peux télécharger aussi tous les packs que normalement, ben voilà quoi. Donc tu vois, Grand Ace, je ne l'ai pas téléchargé et Spectre, je ne l'ai pas téléchargé les gars. Les mouvements et gravité sont maintenant accessibles depuis le salon. Cool. Ils ont rajouté le fameux Spectre, hein. Donc on va l'utiliser, tiens. Et apparemment, j'ai même un skin dessus. Le temps qu'il apparaisse, les gars, je pense que ça va prendre une plombe. Ah, voilà, c'est bon. Donc, je l'ai. Et il a des peintures de guerre aussi. On va lui mettre, tiens. C'est vrai que l'affichage, je le trouve beaucoup plus clean qu'avant, au début. Donc, il y a aussi Outrider que j'ai jamais testé. Bon, Zéro, je pense que c'était la nouvelle. Vous en souvenez, je vous en avais fait une vidéo. Donc, dans les séries de points, je suis précis combien, moi. Parce que j'ai quand même combien de temps de jeu. J'avais beaucoup joué au début. 6 jours, 21h, les gars. Ok. Et, ah oui, ils ont rajouté le système de contrat, je suis au courant maintenant. Donc un peu comme on avait à l'époque de Black Ops, donc tu as des contrats quotidiens. Tu dois faire des kills en SND, c'est sympa ça. Et il y a, tu sais, sélectionner d'autres contrats. T'as quoi ici comme contrat? Obtenir mon day tir rebond avec la hache de combat. Faites 5 éliminations sans mourir 5 fois. Et tu as, on va dire, de l'XP et aussi des caisses, je vois dans la récompense, c'est sympa. Oh le délire mon pote, tu cours avec lui là Ça dure combien de temps en fait? Tu sais même faire des roulades et tout. Ah mais c'est trop stylé. On n'avait pas ça sur le 3.
J'avoue que ça le rend bien cheat, hein. Mais genre, admettons. Tu sais esquiver comme ça? Regarde. C'est même faire des accélérations et tout. Regarde-moi ça. C'est un délire, mon frère. Regarde, tu l'étranges, mais comme Jaja. Tu l'étranges, mais comme Jaja, mon frère. C'est waouh. Franchement, c'est waouh. J'aime bien aussi parce que tu vois, à travers la fumée, bah tu vois les adversaires, toi, quand t'as le spectre. Oh, les gars, regardez, je viens de faire ma classe, là, avant d'aller en multi. Regardez, quand tu fais triangle pour personnaliser, t'as des effets de mort obtenus en terminant la mission détenue sur n'importe quel spécialiste dans Blackout. Je viens de le mettre, je sais pas du tout ce que ça va être, hein, d'accord. Par contre, regardez les temps de chargement, les gars, j'ai juste back, hein. Juste le temps que ça relance, les gars. Je vous jure, c'est affolant. Est-ce que le jeu va planter ou ça se passe comment? C'est au moins la deuxième ou la troisième fois que ça me fait ça, les temps de chargement, c'est ouf les gars. Vraiment, c'est dingue. Du gameplay classique de Black Ops, restriction, armement spécialiste. Ah oui, c'est le mode sans spé. Je m'en souviens maintenant, je m'en souviens. Moi, je propose qu'on fasse un peu de MME vite fait, hein, juste pour le fun. De toute façon, je suis là essentiellement pour discuter avec vous. C'est parti les gars, c'est de la EC, je suis en solo. Le match n'est pas commencé, c'est de la chance. Vraiment, on va voir ce que ça va donner. Donc vraiment, c'est vraiment, ça fait quelques mois que j'y ai pas joué. Donc let's go, hein. Ok. Hey, tu as entendu ce petit bruit là? Ouh là là, le mec en face full batteuse là. Prestige 221. Mais comment les mecs ils font encore pour jouer à fond à code en fait? C'est ça qui est ouf, tu vois. Je kiffe encore, hein. C'est... Il y a des petites animations comme ça, les gars. Quand je tue, j'entends un bruit de corbeau et tout. Franchement, c'est un délire. Tu vois? Je sais qu'il est Al. Je le sais. C'est quoi ça? Attention, foudroyeur ennemi en approche. Exécuté. Il y a un mec juste là, je le sais. Oh Seigneur. Non, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. J'étais en petite sanguille, tranquille, tu vois. Oh, il lui a mis la balle de sniper, GG, hein. En face, c'est dommage, hein. Bon, bah, j'ai envie de dire que je suis comme d'habitude avec les alliés qui se font éclater. Bon, on va dire que ça, ça change pas, tu vois. Oh, j'ai tiré en premier, regardez ce qu'il m'a mis, les gars. Regardez, il m'a mis le bullshit, les gars, il m'a touché deux fois. Oh Seigneur, et ça, ça va pas changer par contre. Et je me ramasse tous les strikes à cause de mes plots d'alliés, les gars. Et ça, franchement, ça changera jamais. Hein. Ils te mettent constamment, quand tu as, on va dire, malheureusement, des bonnes stats dans ce jeu, avec les mecs qui débutent, tu vois. Et tu vas pas leur en vouloir, hein, aux mecs qui débutent, parce que voilà, c'est le jeu, tu vois ce que je veux dire. Mais l'équilibrage est tellement mal foutu. Voilà, regardez. Alors, et le pire, c'est qu'ils font... Ils sont dégueulasses, les mecs, hein. C'est du viseur fixe, ils attendent qu'on vienne, quoi, tu vois ce que je veux dire. Bon, après, t'as les mecs avec moi qui vont rage-quitter les games. J'ai envie de dire, on est déjà habitués. Tu vois, regarde. C'est exactement ça. Tu vois. Et ça fait tout, en fait, pour sortir, bah voilà, leur série et tout. Parce que Code, en fait, c'est ça aussi. De base, c'est les mecs, ils adorent try, tu vois. Je vous jure que c'est hallucinant, les gars. Les mecs que je me tape, c'est affolant. C'est juste ma première game, hein. Et regardez déjà ce que je me tape, quoi. Je me rappelle pourquoi j'avais arrêté de jouer à ce jeu. Voilà. C'est quand même dingue quand j'y pense. Franchement, c'est waouh quoi. Le temps il passe, les mecs ils sont encore sur le jeu. Regarde-moi ça, même le mec avec moi, couché. J'aime bien le fait qu'à travers la fumée, on les voit parfaitement. C'est super bien foutu, ça.
Ok. Je suis quand même allé ramasser les plaques que je vais te faire. Non, parce que vu les alliés que j'ai, vos potes, honnêtement, c'est un délire. Tu vois, ça a changé, Call of, les gars, je vous jure. Allez, mange ta tête. Non! Je pensais que t'aurais un boost de vitesse. Tout à l'heure, le mec, il est venu, il m'a fait ça, tu vois. C'est pas grave, c'est pas grave. Qu'on aura le temps de gagner. Wouah, il nous a mis la moins 3, t'as vu ça? En fait, faut être proche des mecs, quoi. Tu vois? Je fais 29-20, les gars. C'est une game éclatée. Je vais être honnête avec vous. Je me suis pas amusé. C'était viseur fixe, beaucoup en face. Ça bouge pas. J'ai envie de dire... voilà, quoi. La commu COD, tu vois? Oh, bah tiens. Alors, j'ai eu quoi? Pince alors. Le fameux porte-bonheur. Ils me mettent slam, c'est dommage, parce que moi je veux vraiment ma petite WMD. Et j'espère que cette fois-ci, ils me mettent, voilà, que les équipes, on va dire, soient un peu plus équilibrées, parce que j'en ai vraiment marre de tomber avec les débutants. J'ai quand même envie de réessayer Spectre, parce que le perso me plaît, en fait. Avec son katana, tu vois, très ninja, très furtif et tout. C'est vraiment cool, tu vois. Et on ferait quoi, tiens? Une petite vapeur, ça fait un bail que je l'ai pas testé. Vas-y, let's go, on va voir ce que ça donne. Aïe aïe aïe, d'accord, d'accord. Mais c'est vrai que tu vois, vu que je joue plus, on va dire, avec un FOV très proche de la cam, comme sur les consoles et tout, je joue beaucoup... Je joue beaucoup, tu vois, avec des FOV, on va dire, maintenant étirés et tout. Ben voilà, vu que je joue sur PC et tout ça, ça me fait très bizarre de reprendre un Black Ops 4 où tout est tellement zoomé que ça te... T'as l'impression d'être dans l'écran, mec. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un fait, hein. Oh là là, par contre, c'est vrai que le show, tu le reprends quand même plutôt rapidement. J'ai envie de dire, tu vois, si tu fais ça, tu vois, ils vont penser que je vais passer par là. Tu vois? Donc, tu sais les voir par là, effectivement, mais... Est-ce qu'ils savent me repérer, tu penses, par là, Yacine? Regarde, ils font de la prise de peau! Les mecs, ils font de la prise de peau. On n'est pas en compétitif, les gars. Sérieux, c'est du match à mort en solo, les frères. Et puis, c'est quoi cette grenade? J'ai l'impression qu'ils savent exactement par où je viens. Regardez, les gars, j'ai l'impression de jouer un match compétitif. Les mecs sont tous là. Wallah, c'est affolant, les gars. La vie de ma mère, c'est affolant. Les mecs, les gars, ils jouent chacun de leurs frags comme s'ils allaient gagner le coach. T'es mal à gueule du mec, hein. T'es mal à gueule du mec, tu l'as vu ou pas? Il est derrière, les gars. Franchement, franchement, j'ai bien fait d'arrêter. Wallah, j'ai bien fait d'arrêter, les gars, le jeu. Honnêtement. Parce que ça a pété un câble, les frères. Les gars, ça a pété un câble. Regardez, ça a pété un câble, les gars. Les mecs, ils sont en mode compétitif. Il n'y a personne qui bouge, en fait. C'est du side v side et j'attends que tu viennes, quoi. Non, franchement, c'est affolant. Honnêtement, c'est affolant. La vie de ma mère, c'est affolant, les gars. Je vous jure, les gars, c'est affolant. Ça, en fait, c'est plus Call of Duty qu'on a connu. Les mecs, ils font ça en multi, en plus. Mais dans le sens où... C'est même pas fun, en fait. Et je regarde les mecs quand ils me butent, hein. Tu vois, c'est bien, hein, parfois on est de mauvaise foi, etc. Mais parfois on dit aussi la vérité et c'est un fait, tu vois. Les mecs, c'est du détecteur acoustique, etc. C'est... Tout l'aurait facilité, quoi. Tout l'aurait facilité. Je pense que c'est ça aussi qui fait en sorte que, bah, voilà, Code n'attire plus autant. J'ai envie de dire, n'importe quel casu peut s'amuser dessus. Et... Il facilite trop la tâche, en fait, pour eux. Il facilite trop la tâche pour les noobs, en fait. Vraiment, les gars, j'ai pas peur de le dire, hein. De toute façon, je m'en bats les steaks, dans le sens où c'est rare que je fais du code maintenant, tu vois. Il y a un mec sûrement là-bas, j'en suis certain, même. Regarde, hein, et c'est un délire, hein. Et ils veulent vraiment pas bouger. Opération.
Oh non! Le strike qui le sauve, quoi! Non mais hallucinant, mon frère. Hallucinant, je te jure. La seule fausse que je l'utilise. Regarde, et le chien, là, qui arrive. J'ai fait combien? J'ai fait du 21-14, les gars. Voilà, c'est ce que j'ai fait dans la game précédente, hein. C'est du 1-50. Moi aussi, les gars, faut pas croire, hein. Je sais que j'ai perdu du niveau, je le cache pas, tu vois. Mais c'est dégueulasse dans le sens où... voilà quoi. J'ai envie de dire, les gens jouent tous avec tout ce qui est facilité. Ils ont mis full trap, des pièges et tout. Tu vois, et c'est pas... On retrouve plus l'ambiance code. Je rush, je tue, le strike, il vient, il part. Ça te fait des kills, le strike, tu vois. Mais après, il part. Là, non. T'as, on va dire, une barricade de torque qui reste pendant 25 minutes. T'as des barbelés qui restent pendant 25 minutes. Pendant limite la durée de la game. Tu vois ce que je veux dire? T'as des trucs pour repérer, t'as des détecteurs acoustiques pour repérer encore les mecs, etc. Franchement, c'est un délire, les frères. Honnêtement, c'est un délire. C'est... Waouh. Je pense, honnêtement, les gars, c'est dommage parce que j'aurais trop voulu faire une petite WMD. Je l'ai pas joué. Je voulais montrer juste tout à l'heure, tu vois, en privé. Et... J'avais envie de tester un peu les nouvelles maps et tout, mais bon, on sait pas. Hein. Peut-être, voilà, si jamais bah, cette vidéo elle vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu. Motivez-moi aussi. Pourquoi pas, tu vois. Et puis, pourquoi pas vous en faire encore une autre. Why not? Mais je vais être honnête, les gars, avec vous. Et je sais que l'honnêteté, c'est pas quelque chose, on va dire, qui est très apprécié généralement sur YouTube et sur Internet. Mais je pense que j'avais très très bien fait d'arrêter Black Ops 4. Parce que non seulement ça m'a fait un bien fou, mais parce que regardez en plus, juste à mon retour, etc., ben, vous avez eu la preuve en fait de tout ce que je vous dis. Tout simplement, je vous souhaite les gars d'excellentes vacances. Faites attention à vous et à vos proches les gars, pendant la canicule, etc. Franchement, prenez soin de vous, sortez à la piscine, je sais pas moi, faites des activités. Et limitez de ouf le temps de jeu, ça va vous faire un bien fou. Vivez votre jeunesse. C'était Grun, merci à toutes et à tous, bye bye.